Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis bientôt 7 ans. Et ensemble, nous avons 3 enfants dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque c'est l'anniversaire d'Eric. Et oui, il a aujourd'hui 40 ans. Oui, 40 ans. Du coup, on fête son anniversaire aujourd'hui et demain. Bref, on va faire ça en plusieurs jours qui figurera sur la même vidéo. Bref. Là, il est 8h et je suis en train de préparer des pancakes fluffy aux pépites de chocolat. Pourquoi, me diriez-vous? Ben parce que mon petit mari, lui, les aime, les pépites de chocolat dans les pancakes. Alors, on fait des pancakes fluffy parce que tout le monde aime. Et que comme c'est son anniversaire, on veut lui faire plaisir et lui faire un petit déjeuner un peu plus sympa. Donc, nous voilà en train de préparer les pancakes. Enfin, je les ai commencés depuis un moment. Gourdez-moi que ça c'est bon. Épaisseur. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent le paradis. Voilà, donc aujourd'hui... Eh ben aujourd'hui on va y aller tout doux parce qu'il fait du temps de merde, il pleut à verse. Non mais sérieux quoi, le temps c'est incroyable. Hier il faisait beau, on était sur la terrasse et là aujourd'hui il pleut mais à grande eau. Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Mais bon, le programme, donc là on va prendre notre petit déjeuner, lui offrir son cadeau d'anniversaire parce qu'on a hâte de lui offrir. Et surtout, on va préparer son gâteau d'anniversaire. On va faire un petit truc assez sympa. En tout cas, qui lui plaît. Et puis, on va fêter ça tous ensemble. Tout simplement. Alors nous, on attaque le petit-déj. Hein. Là, je finis les pancakes. Et ensuite, on ira le réveiller. Enjoy your meal. Quoi, papou? Happy birthday! Alix, c'est la nouvelle version de Cendrillon. Hein. Les pompes, elle kiffe. Merci, chérie. C'est qui la meilleure épouse de tous les temps? Salut, salut. Moi, je vous reprends. Il est 14h. Alix est à la sieste. Quant à moi, on va commencer la décoration de table. Eh oui. Eric adore le monde de l'horreur, c'est sa passion. Films d'horreur, Halloween, pour ceux qui le connaissent, vous savez, c'est son kiff. Alors pour son anniversaire, on va faire un petit peu d'horreur dans ma décoration de table. On fait simple, parce qu'on est en pleine semaine, hein. On marque le coup parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui, mais malgré tout, on est en pleine semaine, donc on va faire simple. On a prévu de se faire un petit gâteau d'anniversaire pour le goûter, et ce soir... on va manger tous à l'extérieur, on ne sait pas encore bien où.
on verra ce soir, histoire de marquer le coup pour ses 40 ans. Alors, on va s'y coller, hein. On va se mettre à la décoration de table. Et puis moi, je vous reprends après. Voilà, voilà la décoration de table pour l'anniversaire d'Eric. On a fait ça sur le domaine de l'horreur, on adore. Deux petites serviettes en papier que j'avais trouvées avec des motifs d'araignée. Je trouve ça trop rigolo. Bon, c'est très Halloween, je vous l'accorde, mais il aime bien lui. Avec mes petits froufrous dans mes verres, je kiffe toujours. Mes éternelles assiettes hôtesses dorées que je kiffe. J'adore les assiettes. Si je m'écoutais, j'en aurais plein. Il n'y a plus de citrouille. Non, il n'y a pas de citrouille. C'est un anniversaire. Oui. Alan veut que ce soit Halloween. Il est aussi fan d'Halloween que son père. Pour le gâteau. Alors, pour le gâteau, j'ai fait une tarte au chocolat avec un fond de tarte cookie. Je ne l'avais jamais fait. Mais je me suis dit, il aime le chocolat, il aime les cookies. On va lui faire un cookie au chocolat. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement, il a l'air d'être plutôt sympa. Donc, on va goûter cet après-midi, après la sieste d'Alix. On a fait simple. Mais bon, c'est plutôt réussi. J'avais également trouvé ça sur AliExpress. Alors, il y a quelques années, j'avais acheté ça pour Halloween. C'est les petites fourmis qui sont conçues pour piquer des amuse-bouches dessus. Moi, je l'ai détourné. J'ai piqué des guimauves. Pourquoi des guimauves? Parce que j'aime bien, il m'en restait. Mais franchement, sur une table, c'est trop beau. Hop, on met en hauteur. Vous allez voir. Honnêtement, c'est trop mignon. Regardez ça, qu'est-ce que c'est chou. Et sur une table, ça fait sympa. Alors, voilà notre petite déco. On va ensuite attendre qu'Alix se réveille pour faire le gâteau d'anniversaire. Je vais mettre qu'une seule bougie, je vais pas lui en mettre 40, hein. C'est un peu démoralisant les 40 ans. Même si franchement, hein, disons que c'est qu'un nombre. Nous, on le vit très bien. Alors, je vous reprends tout à l'heure pour le gâteau d'anniversaire. Et puis, on espère qu'il sera content. Thank you.
anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Bravo! Tu vas souffler avec papou? Oui. Allez, ce qui t'aide. Tu fais un vœu et tu souffles. Bravo! Bravo! Bon, j'en ai pas mis 40 à mon ami Gugat. Ouais, mais non, mais. C'est déprimant 40. Salut, salut. Je vous reprends le lendemain. Alors, je vous reprends que le lendemain, parce qu'on a profité de notre soirée et on retournait toutes bien trop fatiguées pour faire quoi que ce soit. On est parti manger à Flunch, parce qu'Eric voulait manger des moules. Je déteste les moules. Foncièrement, je hais ça. Donc, je refuse catégoriquement d'en faire à la maison, parce que ça pue. C'est une infection. Alors, dès qu'ils peuvent en faire, on les mange ailleurs. Et les enfants adorent manger à Flunch, du coup c'était l'occasion. En plus lundi on se fait un bon resto pour notre anniversaire de mariage, donc deux restos de suite, ça fait beaucoup pour la ligne et pour le portefeuille aussi. Du coup je vous reprends ce matin. Eric s'est régalé avec ses moules marinières, elles sont à 12,99€ à volonté tous les soirs chez Flunch. Donc si vous aimez les moules et si vous détestez les faire, faites-vous plaisir. Ça ne revient pas très cher. Moi, je me suis fait mon éternel burger frites. Bah oui, les moules, très peu pour moi. Les petits se sont éclatés, ils ont bien mangé. Ça fait plaisir à voir. Alan adore manger là-bas. En plus, honnêtement, les burgers enfants, ils sont vraiment gros, vraiment très gros. Du coup, on a bien apprécié. Eric était très content de son anniversaire. Il a bien profité. Il adore ses chaussures. Et disons-le, hein, elles sont trop belles, ces chaussures. Je suis presque jalouse. Je crois que je vais finir par m'en acheter une paire aussi. Je crois bien même. Elles sont canon. Et lui, il adore. Donc, tout le monde, il est content. Donc, on va arrêter le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne. On clique là, là, ici, pour s'abonner à la chaîne. On commente chaque vidéo, c'est super important et pour nous, c'est super agréable de pouvoir vous lire. Et surtout, surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. C'est toujours motivant et ça fait plaisir. Et quant à moi, oh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !